jeu. Bonjour tout le monde, c'est Chobiti. Se retrouve pour un petit live. Je perds un peu mes repères, hein. Je suis sur le setup du signe. Coucou Nardinus! Aujourd'hui, on va jouer à Kamaeru, le Frog Refuge. Alors, j'ai déjà joué à la démo, mais tout simplement, on nous a proposé de tester, de montrer le jeu complet un petit peu en avance. Puisqu'il va sortir, eh ben, tout simplement, dans quelques jours. Dans 3 jours, si je ne m'abuse. Le 8 juin! Donc pour l'instant, on n'a pas encore l'information sur le prix, il ne nous a pas été communiqué. Par contre, le jeu lui-même, lui, nous a été communiqué. Et pour une fois, le jeu est manette compatible et moi je vais pas jouer à la manette. Ça change. Et normalement, vous entendez la petite musique toute mignonne. On va aller voir ce que ça donne. Et du coup, on va faire une nouvelle partie. J'ai vraiment beaucoup travaillé ces derniers temps. Il y a des petits trucs là. C'est une bonne chose que ma dernière mission soit enfin terminée. Je vais pouvoir prendre un peu de temps pour moi. Peut-être que je devrais rentrer dans la région de mon enfance. Faire une pause. Je me souviens d'un marécage, les arbres courts à l'écorce sombre, les lubélulas de l'eau. J'ai grandi près de ce marais, avec Axel, mon meilleur ami. Quelle époque, Axel et moi avions une vraie passion pour les grenouilles. C'est drôle, je pensais à lui ce matin, et il m'a appelé. Il avait quelque chose derrière la tête. Axel a toujours quelque chose derrière la tête. Veux-tu jouer au tutoriel? Bon, allons-y. Axel n'a pas changé du tout. Je le retrouve à quelques kilomètres de là où nous avons grandi, près du marécage de notre enfance. Il me montre le lieu où il a décidé de construire un refuge. Cléo, ça fait un bail! Trop content de te voir! Axel! C'est vrai que ça fait longtemps. Comment ça se passe par ici? Eh ben, comme tu peux le voir, le refuge est plutôt vide. On pourrait le remplir avec des meubles à grenouilles. Des... meubles à grenouilles. Oui, les grenouilles sont attirées par certains meubles. Essaie, tu vas voir! Donc, on va pouvoir acheter des meubles. On va acheter une baignoire, parce que bien sûr... les grenouilles aiment les baignoires. Et ensuite, on va pouvoir placer notre baignoire. Est-ce que je peux bouger ma baignoire? Oui, je peux bouger ma baignoire, bien sûr. Voilà ma baignoire. On peut éditer. Le truc à savoir pour les points de réputation, c'est que ça augmente avec chaque nouveau meuble placé. Bon, il y a d'autres manières d'augmenter notre réputation, comme par exemple apprivoiser de nouvelles grenouilles. Apprivoiser des grenouilles? Ça a l'air fantastique! Comment on fait ça? C'est super simple, tu leur donnes toute la nourriture qu'elles veulent. La plupart adorent les mouches, mais ça devient plus compliqué avec certaines espèces. Et on a une grenouille qui est apparue dans notre baignoire. Une Victulcus Pink Aqua. Qui aime les mouches. Et il semblerait qu'on a plein de mouches. On va lui donner. Voilà.
Alors, est-ce qu'on peut la renommer, notre grenouille? Oui, on peut la renommer. Qui veut être une grenouille? Une jolie petite grenouille. Victulus Pink Aqua. Alors, j'entends le signe qui veut être une grenouille. Donc, le signe pas du tout noir. Le signe Pink Aqua. Voilà. Oui, on en appellera une couaque si tu veux. Et ensuite, on peut prendre une photo de notre grenouille. On a un appareil photo. Ma grenouille! Bah ouais, il y a une nouvelle grenouille! On a trouvé une nouvelle grenouille! Et du coup, on a... Eh ben, le Frogodex! C'est pas un Pokédex, parce que ce ne sont pas des Pokémon! Mais ce sont des... grenouilles! Et du coup, on a ces deux-là! Celle-ci! Qu'on a renommée! Et l'autre. Axel a l'air surexcité par son projet. Il m'explique son plan. Installer des meubles pour les grenouilles, développer la biodiversité du marais, et construire un superbe refuge pour les grenouilles. Alors Cléo, tu en penses quoi? Je peux compter sur toi pour me filer un coup de main? Bien sûr, c'est un projet en or. Et puis tu sais à quel point j'aime les grenouilles. Parfait. Commençons par le début. Il faut qu'on améliore notre réputation. Et puis il faut qu'on ajoute de nouvelles grenouilles au Frogodex. Donc ça veut dire installer de nouveaux meubles. Ou apprivoiser des grenouilles en les nourrissant pour gagner des points de réputation, j'ai bon. Exactement, on peut viser 40 points de réputation et 3 grenouilles en plus dans le Frogodex. Et donc on a notre journal qui nous explique ce qu'on peut faire. Avec le récapitulatif de l'aventure. Ah, ma photo est pas allée dans l'album photo. C'est marrant ça. Genre... Ah, parce que je l'ai pas mis dans le journal. Je l'ai mis dans le Frogodex, mais je l'ai pas mis dans le journal. C'est ça en fait, c'est ce que tu me dis. C'est ça. Là, je l'ai mis dans le journal, donc elle apparaît ici. Ok. Et j'envoie une nouvelle. Ah, une banana quoi! Mais au moment où je finis ma photo, c'en est une nouvelle. Même pas le temps de la regarder. Donc n'hésitez pas à dire si vous voulez une petite grenouille et quelle couleur vous voulez de grenouille. On pourra essayer d'en attraper. Donc du coup, l'objectif, c'est d'avoir 40 points de réputation et 3 grenouilles au Frogodex. Je pense qu'avec tout ce que je viens de prendre comme photo, ça devrait être pas trop mal. Et du coup, il faut installer des meubles. Donc on va acheter des petits trucs. Pour l'instant, on peut pas racheter grand chose. Donc j'achète ça. Et j'achète ça. Merci le jeu, tu es bien urbain de me donner quelques sous pour commencer. Je vais mettre mon petit fauteuil par ici. Et ma petite branche par là. Voilà. Axel, j'ai atteint notre objectif. Le refuge a gagné en réputation. Et j'ai pas mal de grenouilles dans le Frogodex. Par contre, je suis à court d'insectes et d'argent.
Ah, pas de problème. Allons dans la zone humide pour que je te montre 2-3 trucs qu'on peut faire. La zone humide est dans un sale état. Si on la restaure, on pourra s'en servir pour obtenir des ressources qui aideront le refuge. Ok. Donc on va aller dans le marais. Ce qui paraît que les grenouilles ne vivent pas dans les maisons en fait. Voilà le marais, c'est un lieu unique qu'on connaît assez mal. Enfin, toi et moi, ça va, on sait à quel point il est formidable. Oh, mais c'est tout sec. Ouais, mais t'inquiète pas, on va creuser des mares pour restaurer la zone. En échange, elle nous offrira de nouvelles ressources. Allons jeter un œil à la cabane. La cabane. Voici notre petite cabane des marais. Tu y trouveras plein d'informations sur comment restaurer la zone humide. Il y a un panneau avec des statistiques sur la végétation. C'est quoi ça? Bioscore. Le bioscore, c'est un calcul entre la capture du carbone et la diversité de la flore. Plus le bioscore est élevé, meilleur c'est pour tout le monde. Ok, j'ai tout compris. Eh ben, tant mieux pour toi. Il ne reste plus qu'à rendre les grenouilles heureuses. Donc, on nous dit que bioscore dépend de la capture carbone et de la biodiversité des végétaux. Et on nous dit c'est capture carbone X, j'imagine que c'est un fois biodiversité. Et pour l'instant, on est à 0%. Dans cette cabane, tu peux acheter des plans de fabrication pour développer des technologies de restauration. On s'est déjà creusé une mare. Alors, pourquoi pas apprendre à planter un buisson de baie? On va apprendre à planter un buisson de baie. Donc l'arbre des technologies est assez petit. On peut pas scroller, donc effectivement, il y a bien que ça. Bien, c'est l'heure d'aller réhumidifier cette zone humide. Allez, on y va! Pour le moment, on commence par creuser une mare et faire pousser un buisson à baies juste à côté. Alors, on va du coup creuser une mare. Pour ça, il faut que je paye. Mon Dieu. Voilà, donc je paye pour creuser ma mare. Et je paye pour planter mon buisson. Attends que la mare attire les insectes et collecte-les. Au refuge, tu pourras apprivoiser des grenouilles avec ces insectes. Une petite chenille. Donc, pour résumer, on utilise les plans de fabrication pour restaurer la zone humide. Et on utilise ces ressources pour financer le refuge. Parfaitement. Pour avancer, je te propose un objectif. On installe encore un buisson et quelques roseaux. Allez, au boulot! Alors, pour installer des roseaux. Il va falloir les acheter. Donc, rebelote, roseau, hein, pas massette, roseau. En dessous, on a encore un petit peu de ce qu'il faut. Tout va bien. Ah, une mouche, je l'ai vue. Un petit papillon, je peux pas l'attraper. Papillon, papillon, papillon. Donc, on va planter un peu de ça. J'aurais peut-être dû décaler ma mare. Est-ce que je peux éditer ma mare? Oui, je peux déplacer ma mare. Et gratuitement en plus. Et je crois qu'il fallait que je remette un petit buisson. Bravo Cléo! Nos efforts pour restaurer la zone humide sont vraiment impressionnants. Super, je me disais qu'on pouvait faire quelque chose avec les buissons à baies. Super idée. On a une cuisine extérieure là-bas. On pourrait concocter quelques petites confitures. Des petites confitures. Donc on va avoir les ressources qui apparaissent et qu'on peut collecter pour préparer de la délicieuse confiture. Alors, on va pouvoir choisir la recette. Ok, donc je voudrais faire de la confiture.
toute façon, pour l'instant, je ne peux en faire qu'une. Alors. Comment ça marche? Voilà, je mets les baies dans la marmite. J'allume. La chaudière. Ok. Et j'ai un pot de confiture de prêt. Et je peux rien faire d'autre. Donc on va partir. Cette confiture et nos autres produits vont désormais servir à financer le refuge. Allez, on y retourne. Ok. Pour l'instant, c'est le tuto. Hein. C'est encore très guidé. On va pouvoir vendre notre confiture pour 8 sous. Au revoir, confiture! Voilà! On sait tout ce qu'il faut pour gérer le refuge. Je crois que c'est le moment de te présenter quelqu'un. Je suis sûre que tu vas l'adorer. Donc, on se retrouve ici. Axel me présente une femme d'une 60aine d'années, regard perçant mais doux. Annabelle. Chirurgienne à la retraite, elle consacre désormais son temps à la recherche sur les grenouilles et les zones humides. Bonjour ma chère, c'est un plaisir d'enfin te rencontrer. Tu le sais sans doute, les espèces de grenouilles de la région sont menacées. J'ai besoin d'aide pour séquencer le génome des grenouilles, et ainsi mieux les étudier et les protéger. Ouais, si tu as besoin d'aide, je suis super motivée. Pour commencer, j'aurais besoin que tu apprivoises deux grenouilles. N'oublie pas, elles adorent les insectes. Une fois que tu auras apprivoisé les deux grenouilles, viens me voir au labo pour croiser une grenouille. Alors, du coup, il faut apprivoiser une autre grenouille. Par exemple, celle-ci pourrait faire tout à fait l'affaire. On va l'ajouter au Frogodex. On prend une petite photo. Et en fait, finalement, j'ai plutôt envie de celle-là, qui est très jolie. Je l'ajoute à mon Frogodex. Et surtout, elle est partie. Elle est partie. Arnaque, elle est partie. Est-ce que je peux prendre deux grenouilles? Ça m'en a ajouté qu'une. C'est intéressant ça. Ah non. Bon, on va prendre celle-là. On va la nourrir. Et on va la renommer Chocho. On pourra faire un croisement entre Chocho et le cygne. Ce qui me paraît une pas trop mauvaise idée. Donc, croise au moins une grenouille. On va aller dans le labo et on va croiser nos grenouilles. On peut avoir des nouvelles grenouilles dans notre labo. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Banana! Banana, banana, je te mets où? Au milieu! Donc c'est au tour de Lia, elle choisit un Victulus, et on joue tout simplement au Morpion! Ah, elle veut pas me laisser gagner! Ah, moi je veux une banane! Ah, moi je veux qu'elle soit banana! Et du coup, on obtient une grenouille qu'on a déjà. Haha, pas de chance. On peut réessayer. Par exemple, en fait, finalement, je veux pas. Ouais, on va essayer une petite bleue. Bleu et rose, on a déjà. Oui,
oui, mais là, il n'y a aucun moyen qu'on gagne. Donc, je te gêne. Donc, on a une Victulus Aquabanana. Et on peut s'amuser comme ça un petit bout de temps. Tu as croisé une grenouille! Bravo, Cléo! Peut-être l'as-tu remarqué, mais certaines grenouilles ne viennent dans le refuge que lorsque des conditions bien précises sont réunies. Le taux de capture du carbone et le score de diversité dans les zones humides sont des facteurs importants pour les grenouilles. Et du coup, on va s'amuser avec ce fameux bioscore. Donc on nous explique que le bioscore est un équilibre entre le nombre de végétaux et de mares que l'on place. Ok. Grenouille. Oh! Oh, elle est belle celle-là. Oh, elle est belle. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? J'ai pas ce qu'il faut. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. On la prend en photo. On la joue sur Frogodex. Je crois que celle-là, on l'a déjà. Nouvelle! Une nouvelle grenouille! Allons dans la zone humide. Ah bah oui, elles sont chill les grenouilles. Ah, une grenouille. Ah bah cool, on a des petites ressources à récolter. Alors, notre objectif c'est d'essayer d'améliorer un petit peu notre score de biodiversité. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu Frogemon. Ah, toi t'as pas d'eau. T'es pas assez près de l'eau. C'est mieux? C'est mieux. Ok. Alors. Pour s'en sortir. J'imagine qu'il faut que je... rajoute... des petites choses, mais on me dit 52% de biodiversité... par contre, seulement de 2% de bioscore. Place 6 unités de chaque plante et 6 mares. Ok. Oh, t'es jolie, toi. Oh, comment t'es belle, toi. Oh. Une petite doublex. Oh, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. On va pouvoir la nourrir. On va pouvoir l'apprivoiser. Alors, je peux pas vraiment regarder. Oh, une taupe. Je veux une taupe. Alors, j'imagine qu'à un moment, je vais manquer d'argent. Hein. Un moment dans pas si longtemps que ça, en vrai. Oui, je confirme. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je vende de la confiture. Et pour vendre de la confiture, il faut que je fasse de la confiture. D'ailleurs, je vais tout récolter. Oh! Oh, comment elle est belle celle-là!
léopard. Mais c'est quoi les couleurs d'un Ardinus? La grenouille que j'ai apprivoisée. Je peux aller la chercher dans mon frogodex, normalement. Dans mon frogodex. C'était une doblex que j'ai apprivoisée. C'est celle-là que j'ai apprivoisée tout de suite maintenant? J'ai déjà oublié, moi. Est-ce que je peux les filtrer par apprivoiser? Ah oui, je l'ai pas mis en star. En star, en favori. Les grenouilles nommées star. Mais on l'a bien apprivoisé. Donc on va appeler Nordi. Nar. Nu. Frogo Nardinus. Bah ouais, t'as une super grenouille. Là, on la connaît déjà. Alors, on en était à faire de la confiture. Est-ce que je peux faire autre chose? Je peux faire des bonbons. Bah ouais, faisons des bonbons alors. Il faut tout ça, lancer la marmite, je la loupais, est-ce que je peux faire autre chose? Je peux faire une petite confiture de plus. Petit jeu de réaction. Mais ça clique pas! Toi clique pas, chouchou, c'est pas le jeu. Oh. Ah, il est là. Hop, un petit scarabée dans notre réserve. Et je pense qu'on devrait pouvoir être pas mal. Niveau vente. Alors, allons vendre. Je vends ma confiture et mes bonbons. Oui, c'est déjà un peu mieux. Une petite creux. Ah, une toute rose. Oh, j'ai ce qu'il faut, je pourrais la prendre. Ouais, je sais, je vends les bonbons, je sais, c'est... Je sais même pas quoi dire, c'est... Par contre, je prends des photos. J'ai même pas vérifié qu'on avait déjà les grenouilles. Ah, notre grenouille! Bon, bah, allons... Merci la deux grenouilles. Oh, elle est belle. Il te faut quoi, toi, ma chère? Ah, oh, j'ai pas assez de scarabées. Alors, j'étais partie vendre tout ça pour acheter des trucs. Mais non, non, mais c'est pas très gentil d'être cannibale, hein.
On rajoute une petite mare. On est censé... Pour se faire 6 mares. Donc c'était ça que le jeu nous disait. Planter plein de trucs. On peut pas le mettre là. T'exagères. Le soleil se couche sur le marais. Et je peux enfin m'asseoir et souffler. Axel nous rejoint avec une bouteille de jus de canneberge maison. Quel délice! Et on peut dormir. Ou ok. Comment ça, de la canneberge avec votre grenouille? Non mais ça suffit. Ça suffit. J'ai plus de sous. J'en suis où de mon objectif? Ça a pas pris celle-là. Donc, petit bug. Quand il y a deux grenouilles, il n'arrive pas à les ajouter au Frogodex. Il faut prendre une seule grenouille pour qu'elle soit ajoutée au Frogodex. Ok. Celle-là aussi, elle est jolie. Donc je pense qu'à un moment, on arrivera quand même à avoir toutes les grenouilles. Dans le Frogodex. Oui, donc je voulais vérifier où est-ce qu'on est. 6 unités de chaque plante et 6 mares. Ok, et nous on nous dit... Là je suis à 7. Il faudrait que je plante un petit peu plus de ça et j'ai pas encore débloqué cette technologie là. La technologie des massettes. Il me faut plus d'argent. Genre j'ai pas 30 sous. Oh mais... Ils sont passés où mes sous? Qui m'a piqué mes sous? Qui a osé me piquer mes sous? Ah, encore des grenouilles! Encore des grenouilles! Encore des grenouilles! Bon. Au moins, pendant ce temps-là... Ça pousse. On allume la gazinière. Allez, cette fois-ci... J'ai pas réussi à faire la critique. Faut que j'appuie sur la cuillère, peut-être. Pas là. Peut-être. Réessayons. Avec de la confiture. Oui, c'est ça. C'est sur la cuillère qu'il faut que je... Mais ouais, vous mangez mes grenouilles et en plus vous me piquez mes sous. Non, non, mais je note, hein. Alors, du coup, je dois pouvoir acheter ma technologie. Bah non, toujours pas, vu que j'ai pas vendu mes... Je n'ai pas vendu mes confitures. Je prends des photos de grenouilles, mais... Si je les menais pas... Il faudrait faire ça, hein. Il faudrait monnayer les photos de grenouilles, parce que ça, j'en ai fait plein. Même que là, j'en ai une qui est apprivoisée et qui est contente. Alors. Je vais pouvoir vendre tout ça. Vendre mes bonbons. Ah.
Je pourrais faire tout vendre, hein, tout simplement. Ça irait tout aussi bien. Ah, j'ai pas... Je pense que celle-là, je voulais la... Ou en tout cas, une de ses copines, je voulais l'apprivoiser. J'ai toujours pas de scarabée. Alors, on en était à acheter la technologie. Je veux des massettes. Et pendant que j'y suis, je veux bien acheter... ce qui me donne un peu plus de... marre. Donc il me faut... des grenouilles! Ben non, il faut pas des grenouilles. Il me faut... une petite mare. Ok, celle-là est comme ça. Est-ce que je peux la mettre par ici? C'est très bien. On ramasse la chenille. Je veux la chenille. Elle est partie. La chenille, elle est partie. La chenille, elle est partie. On m'a piqué ma chenille. On m'a piqué mes grenouilles. Encore et encore et encore des grenouilles. Il y en a vraiment énormément. On va peut-être aller faire un petit point dans le Frogodex. Même si j'étais là pour planter des trucs. Alors, je vais planter des petits roseaux. Je suis censé en planter 6. J'ai déjà plus de sous. Ma thune ! Ma thune ! Non mais vous faites des trucs avec ma thune quand je regarde pas ! C'est pas possible ! Pas grave, on va refaire de la confiture. Alors, on va faire des petites sucettes. On allume la gazinière. Et on fait un petit peu de confiture. Allons vendre tout ça. Alors, on va utiliser le bouton tout vendre. On va regarder un petit peu le Frogodex. Donc on a trouvé... on a trouvé 32% des Victulus. 14% des Doblex. Et on a vu quand même quelques zébras et quelques léopards. Qui sont quand même pas mal. Et on a encore 4 frogos mystères qu'on n'a pas découvert. Coucou Biga! Tu viens attraper des grenouilles avec nous? Eh bah pour la peine, je vais apprivoiser cette grenouille et la renommer Bigadin! Et voilà. D'attraper les grenouilles? Et... alors. Oh, c'est cool, ça. On prend une petite photo de
notre grenouille. Est-ce que je peux l'apprivoiser? Oui, j'ai ce qu'il faut. On va prendre une petite photo. Alors, j'en suis où de mon objectif? Mon objectif... Ah! J'ai planté une mare de plus, alors du coup, je suis plus à l'équilibre. Zut. Du coup, bah, faut que je replante un petit peu de tout. Ah, c'est vraiment cool, ça, Biga. Mais je pense que, de manière générale, en grandissant, on se rend compte qu'on a fait quand même des choses, en étant petit, qu'on referait pas. Je crois qu'il faut que je rajoute ça aussi. Je vais mettre une par là. Alors, j'en suis. Ah, ben voilà. Parfait. Bah oui, je veux savoir la suite, bien évidemment. C'est parti. Regarde ça, Cléo. On y est arrivé. La zone 8 commence à revivre. C'est incroyable. Oui, ça fait vraiment quelque chose. Les fleurs sont de retour. J'ai même vu des libellules, comme celles qu'on chassait quand on était enfant. Je me souviens. C'était un lieu magique à l'époque. Et... c'est redevenu un lieu magique. C'est... un sanctuaire. Oui, un sanctuaire qui vit et qui respire. Tu racontes pas ta vie, mais c'est sympa les petites grenouilles et les petits poissons et... Cléo, je voudrais te présenter Anita, la mère du coin. Elle voudrait nous dire deux mots. Et coucou Soren! Je dois avouer que je ne croyais pas trop à votre projet. Mais comme tout le monde ne fait que parler de vous, je me devais de passer vous rendre visite. Je suis Cléo. Axel m'a demandé de l'aider à restaurer la zone humide et à gérer le refuge. Et ça commence tout juste à ressembler à quelque chose. Tu es trop modeste, Cléo. La zone est en voie de restauration et nos grenouilles vivent leur meilleure vie. Anita, peut-être qu'on peut vous faire visiter? Je ne suis pas sûre d'avoir le temps aujourd'hui. Mais un autre jour, avec plaisir. Ok. Donc... on nous demande de faire des nouvelles photos de grenouilles pour attirer l'attention de la mère. Mais t'es au courant, je, que je lui en ai pris 45 000 depuis 30 minutes, là? Bon, bah, j'en prends 5 nouvelles, c'est rien que pour toi, le jeu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite grenouille? On a plein de petites grenouilles qui font des petites siestes. Ici. J'en profite pour. Alors, est-ce qu'une photo avec... Je suis pas sûre que ça... Elles sont parties! Elles sont parties! Je suis pas sûre que ça compte pour 3 photos. Hein. Je suis censée prendre... des photos... Non, c'est vraiment... c'est vraiment des photos... plus ou moins uniques. Ah oui, les petites grenouilles. Moi, j'aimerais bien avoir une petite grenouille. Dans le jardin.
Alors, bien sûr, pas dans la maison, mais... Ah, petite grenouille qu'on ne connaît pas. J'ai pas eu le temps d'attraper mon insecte. Oh, oh, comment elle est trop belle. Une petite léopard. Ah, qu'on connaissait déjà. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Non, on n'a pas du tout ce qu'il faut. On n'a pas du tout de libellule. Ça aurait été cool d'avoir une petite libellule pour lui attraper. Voilà, on attrape une petite mouche. Bon, bah attends, je vais prendre une photo plus jolie de toi parce que les photos où on te voit que de dos, c'est marrant. Mais quand même. Et du coup, j'ai fait suffisamment de photos. On va pouvoir... Mais Soren ! Oui, c'est la bestiole qu'on ouvrait en sixième. On est bien d'accord, mais... quand même. Peu de pitié pour ces pauvres petites grenouilles. Prends 2-3 photos. Hop, vous m'avez pas vu. J'attrape ça. Je prends une dernière photo. Vous m'avez pas vu le jeu. Et on attrape une libellule, ça c'est important. Et on passe à la suite. Notre libellule, il y avait une libellule. Aujourd'hui, nous avons rencontré Jenna, une jeune femme pleine d'entrain et de bonté. Ses talents de bricoleuse vont nous permettre de créer de nouveaux meubles. Les grenouilles vont l'adorer. Bonjour, j'ai vu toutes ces photos de grenouilles sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Jenna. Tout ce qui peut être construit, réparé, repeint, je peux le faire. Un autonect. Quoi qu'est-ce, bigadin, un autonect? Bonjour, Jenna, on a surtout besoin de décorer le refuge en ce moment pour que les grenouilles se sentent bien. Eh bien, c'est parfait. Faisons le pari. On vise une augmentation de la réputation de 3 niveaux. De 3 niveaux. Ok. Du coup, ma libellule est partie. Ma libellule. Bien sûr, au tout début, il y a tellement de grenouilles qu'on n'a pas dans le Frogodex. On va passer beaucoup de temps à regarder les grenouilles. Ah, chouette, une libellule. Oh, t'es mignonne, toi. Oh non, scarabée. Bah oui, j'irai voir du coup sur les internets. On prend plein de photos, on attrape plein de mouches. J'imagine que l'objectif, en fait, à terme, est plus ou moins toutes les apprivoiser, parce que je vois là notre nombre de mouches. Ah, c'est surnommé l'abeille d'eau, ton nonotecte. Punaise aquatique carnicière. Ah oui. Ben, on va aller au refuge et on va s'occuper d'améliorer tout ça. Alors, une grenouille. Ah, je te connais déjà, toi. Je te connais déjà et je peux te nourrir. Alors, j'avoue, j'utilise le bouton tout donner qui me permet de donner directement. Puis du coup, tiens, on va l'appeler Soren. Voilà, Soren,
tu as une grenouille. Parce que ça reste quand même plus pratique de tout donner d'un coup. Elle était là, la grenouille, elle était là. J'ai pas ce qu'il faut. Alors. Sérieusement, je peux... Ah, j'ai toujours pas assez de sous. Mais... Vous me piquez ma thune, c'est pas possible. Alors... Ah oui, puis du coup, j'ai débloqué ça. Je vais pouvoir... faire une nouvelle recette. Des bonbons et des cœurs de massette. Je sais même pas ce que c'est des cœurs de massette en vrai. Ouais, je veux bien les dons là, sur Tipeee pour acheter des troncs d'armor. Complètement d'accord, hein. Je veux des troncs d'armor. Allez. Okay, typiquement, si on la nourrit, hop. Apprivoisée. T'inquiète pas, Soren. Moi, je les tue pas, mes petites grenouilles. Elles sont trop mignonnes. Regarde comme elles sont mignonnes. J'ai tout ce qu'il faut. Allons vendre, du coup. Que c'est réellement addictif. Si je reste là, je vais continuer à cliquer sur mes grenouilles. Alors, je veux pas vendre, les bonbons. Voilà. Donc on va pouvoir acheter des trucs vachement plus mieux. Parce que tout le monde sait que les grenouilles ont besoin d'un lit. Tu peux fournir les troncs d'arbres. Avec ou sans la livraison à domicile. Ah bah... qu'est-ce que je leur mets? Hop. Une petite lumière peut-être. Un autre tronc d'arbre. Un truc là. Un porte-serviette! Tout le monde le sait que les grenouilles ont besoin d'un porte-serviette. Petit buisson. Oh, et puis un deuxième. Voilà. Cette fois-ci, je suis sûre, c'est moi qui ai utilisé l'argent. Alors, je peux poser un buisson, ça a l'air d'être purement décoratif. Je peux poser ça a l'air d'être purement décoratif également. Là, il y a la petite icône grenouille. Donc... Moi, j'en avais acheté. Deux. Ah, petit bug. Ou c'est mon cerveau qui déconne. J'en ai bien acheté deux. J'en ai qu'un dans mon... Je t'ai pas vu en acheter deux. Non, c'est peut-être mon cerveau qui déconne, mais... On fera un petit test. Et une petite lumière par là. Voilà. On n'est pas encore au niveau 3. Oh bah attends, j'ai ce qu'il faut. Je te nourris. Voilà. Oh, comment t'es trop belle, toi. Oh, je sais pas ce qu'il faut, toi. Non, j'ai pas ce qu'il faut pour te nourrir.
deux nouvelles grenouilles, encore et encore. Pour le plaisir. Ah, on dirait qu'on a une interaction ici. Bonjour ma chère! Axel m'a dit que notre petit projet de refuge ne soulève pas toujours un enthousiasme général. Oui, ce n'est pas toujours facile de convaincre les gens. Allez, ne sois pas déçu. J'ai une bonne nouvelle. Un de mes amis a inventé un système pour attraper des insectes dans un hôtel à insectes. Les plans sont disponibles dans la cabane du marais. J'ai vu des hôtels à insectes en vente dans le magasin. Je vais aller chercher les plans dans la cabane du marais. Tu remercieras bien ton ami. Parfait. Enfin, normalement, c'est pas pour les attraper, les hôtels à insectes. Vous êtes au courant, d'ailleurs? Allez, je distribue mes mouches. Oh, t'es trop mignonne comme ça. Je te prends photo, t'es trop mignonne. Insectes pour les donner aux grenouilles. Je veux attraper les insectes pour les donner aux grenouilles. C'est pas pareil. C'est l'heure du goûter. Bon, bah du coup, même punition que tout à l'heure. Ah oui, c'est marrant ça. Du coup, celle-ci, j'ai pas du tout pris de photo, mais je l'ai apprivoisée quand même. Ah, il y avait un insecte là. Je l'ai vu. Il était là. Alors, bah du coup. On va refaire des bonbons. Bah ouais, le signe, on invoque le goûter. Je suis désolée, le goûter de bonbons. Mais je pense que ça va me donner faim, cette histoire. Et... je vais finir par aller manger la sucette que je me garde de côté, là. Est-ce qu'il m'en reste qu'une ? Faut trouver le bon moment pour la manger. Allez, allons vendre. Vendre. Et du coup, je voudrais vérifier. Genre, je prends deux troncs d'arbres. J'achète. Et j'achète. Ah non, j'en ai bien deux. Non, j'ai pas dû en acheter deux tout à l'heure. J'ai dû penser en acheter deux et j'ai pas dû cliquer. Tant mieux! N'est point buggé, tout va bien. D'ailleurs, non, je vais la remettre dans mon sac à dos, je la mettrai de l'autre côté. La peine. Je voulais pas toucher ça, je voulais la grenouille. Alors. On attrape les grenouilles. C'est l'objectif. T'es trop belle, toi! Ah ah, j'ai ce qu'il faut. Je commence à être un peu pauvre en chenilles, là. Alors. Du coup, il paraît qu'on peut faire un hôtel à insectes. Hôtel insectes. Ah, ça coûte 100 sous! Oh là là! Mes sous! Ok, du coup, j'ai plus assez de sous pour le reste. Ok. Ah! On a atteint le niveau 3. Bah, je vais poser mon bout de bois. Je récolte ça, je récolte ça.
question du coup. Comment on le pose? Tel insecte, j'ai acheté la techno. Comment je le pose? J'imagine qu'il va falloir faire la suite, tout simplement. Un de nos voisins est passé nous voir aujourd'hui. Il s'appelle Dylan et il vient d'acheter une ferme aux alentours. Il semble être très intéressé par notre projet avec la zone humide. C'est super cool ce que vous avez fait avec le marais. Je pensais pas qu'on pouvait faire autant de bien à la nature. Merci, on travaille dur et les efforts paient. La vie est de retour. Et ce n'est que le début. J'ai un peu de temps libre à la ferme et je me disais que je pourrais vous filer un coup de main avec les insectes. Ah, t'es le fameux copain en fait. Ça serait vraiment super. Plus on a d'insectes, plus les grenouilles seront contentes. Avec l'aide de Dylan, on pourra viser un nouvel objectif. Apprivoiser 3 grenouilles doblex. Ok. Ouais, et du coup, Annabelle, viens nous voir. Bonjour Cléo, je comprends que tu cherches à apprivoiser des grenouilles doblex. Tu devrais essayer de placer des insectes de ton inventaire sur les meubles à grenouilles. Je pense qu'une grenouille aura plus de chances d'apparaître si elle y trouve son insecte préféré. Oh! Ce sont des petites gourmandes, les grenouilles. Et ben toi, je vais t'apprivoiser. C'est intéressant. Et du coup, ouais, j'ai rien pour faire le... L'hôtel insecte. On me le laisse pas comme ça. J'attends. C'est honteux. Ah voilà, on peut demander l'aide de Dylan à la cabane. Ok, Dylan est là. On peut genre lui demander de nous attraper des chenilles. Ok. Pourquoi pas? Alors peut-être que tout simplement... Est-ce que ici... Ah, je peux acheter un hôtel insecte ici. Bon, en l'occurrence, j'ai pas de thunes. Mais... c'est intéressant de le savoir. Alors, où est-ce qu'on en est de notre... journal? Notre... Frogodex. Alors... Les doblex, on en a quand même trouvé quelques-unes. On nous demande d'en apprivoiser 3, et bien évidemment, celles qu'on a apprivoisées ne comptent déjà pas, donc c'est un peu nul. Mais c'est pas grave. Par contre, effectivement, je n'ai plus de nourriture. La nourriture, on l'obtient de ce côté-là. Hop, une chenille, ça c'est trop cool. T'es mignonne, toi. Une photo. Alors, bonjour Dylan. Salut Cléo, je pensais au marcon creuse et j'ai eu une idée. Ah, dis-moi plus. Si tu combines certaines mares, elles forment des mares géantes. Des mares géantes, ça va attirer de nouveaux insectes, ça, non? Exactement, sans parler de la capture du carbone. Mais c'est parfait, il ne nous reste plus qu'à essayer. Ok, donc on va pouvoir créer des mares géantes, trop cool. Coucou petite grenouille. Ah, coucou petite grenouille. Mais chouchou, c'est pas des zébras que t'es censé apprivoiser, c'est des doblex que t'es censé apprivoiser. Mais c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil, chouchou.
Eh ben, je vous propose d'arrêter la VOD là. Si je m'en sors avec les raccourcis de clavier. Ce qui devrait aller. Et puis, on continue en live la petite aventure. Pour ceux qui sont en VOD, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!